Na všechny chtějí udělat zátah. Na cizince, na židy. Lola říká, že mám hned odjet. Ale já to nechci. Jestli chceš přežít, jinou možnost nemáš. A little bit of trouble and a panic. What are we gonna do now? While they sit in their fancy offices and never even get their hands dirty. I found a lawyer for your father. Dad'll be out any minute. Desmond took care of the bail, so there won't be any delay. Mr. Webster put up... Don't worry about that. He'll get it back. Sonia. Sonia, you need all the help you can get. Your father's charged with grand larceny and fraud. This is serious business. So what's gonna happen now? I'll need you and your sister in court every day. It's just gonna upset Greta to have to go to court. Yeah. Look, Sonia. She's my sister. I can take care of her. Yeah, I know that, but we have to do everything we can to convince them. Let's go home, sweetheart. Thank you, sir. Sure. I'll see you, Sonia. Kvůli Robertovi jsem opustila všechno. Bar Tango, svoji rodinu, přátele, ba dokonce i šminky. Kdyby mi byl řekl, abych za ním jela na kraj světa, udělala bych to. K Felicii to bylo mnohem blíž. Hey! What did you guys talk about? I'd really like to get out of this car soon. Is he upset you brought your childhood sweetheart back to life? Do I really have to sit him back from now on? It's for your own safety. You sound like my dad. If my hand brushes yours, you'd be dead. You didn't say that. So it's probably better if you stay in the car for these morgue visits. Someone might recognize you. Oh. Là, je suis confus. J'ai peur d'être très, très, très en retard. Ça n'a pas d'importance. Mais vous êtes blême. Je viens de voir passer René. René, mais enfin, il était avec moi il y a une demi-heure. Où? Chez moi, je crois. Enfin, non, je suis sûr, je suis formel. Mais il était... Enfin, je veux dire, il allait bien? Ben, on peut pas dire ça, non, mais il va mal. Mais enfin, vous en savez plus que moi là-dessus. Je me trompe. Je plaisante. Madame, j'ai peur que vous ayez négligé de nous régler. Oui, je sais, mais je n'avais pas l'intention de partir sans payer. Oui, j'en suis sûr, mais en ce moment, il y a tellement de voleurs. Monsieur, vous êtes grossier. Il vaut mieux être grossier que... De quoi? Quoi? De quoi? Dites-le! George. Mais non, je ne vais pas faire un esclandre. Mais je m'en souviendrai. C'est un jour... Sergio, assez. Pas tenu en le miroir encore que dans l'oubli fermé par le cadre se fixe de Saint-Hyacion, sitôt le septuaire. Quoi? Bon, alors, et pour le monsieur, ce sera? Un café. Il voulait quoi, au juste? Devine. Combien? 2000. Ah, non, pas question. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Bah, résister. Je vais trouver un travail convenable, assez convenable. Mais et l'école? De toute façon, il sera viré bientôt, il n'aime pas ça, il sera content. Il gagnera sa vie convenablement, il va se payer un appartement, je vais trouver un studio. Pas cher. Où? Très loin de chez vous. Mais j'ai besoin de l'avoir près de chez moi. Tu dois savoir comment ça se passe. Oui, mais calmez-vous. Comment ça va se passer? Calmez-vous, Jeanne. On a dû vous dire ça souvent. Depuis toujours. Et comme ça, vous en avez conclu que votre destin, c'était la psychanalyse? Georges, il faut qu'on y aille. On va être en retard. La séance commence dans 5 minutes. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Je voulais seulement vous signaler que, dans le cas qui vous occupe... Mais que quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Il y en a des milliers comme ça. C'est pas vrai. Heureusement, d'ailleurs. Laissez-moi vous dire
que vous êtes totalement à côté de la plaque. Et d'où il sort? Vous le savez? Ah, la SPIF. Ah oui, ah bah oui, bah, c'est bien ça. Et je n'ai qu'une chose à ajouter, c'est que vous faites beaucoup de tort à vos patients. 83 francs. Quoi? 83 francs pour deux cafés? Laissez, je m'en occupe. Pas attendu. Bon, je vais régler. Foulez. Qui vous a dit ça? Votre ami. Gardez tout. Bon, Georges, on s'en va. Peace with Christ. Thanks. Miss Carlson? I'm sorry I'm late. I'm Frank Delaney. Delaney. Who else would speak to me? His friends think I shouldn't even be here. Will you represent me? There haven't been any charges filed against you. But there will be, you know that. Do you think I killed him? I loved Andrew. Why is it so hard for everybody to believe? You know why. You're young and beautiful, and you were involved with a wealthy older man. He wasn't old to me. I'm sorry I said that. A big part of my life has been taken away from me. And people are saying it was my fault. They've taken something good between two people in love and made it dirty. I didn't kill him.